Yes les chums, c'est Cédric Légaré. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les chums, je suis tanné, ok? Je suis tanné parce que on recommence. Aujourd'hui les chums, dans la vidéo, on retourne sur le dyno mon chum avec un nouveau setup. Puis là on va faire une comparaison single puis twin turbo sur mon LS dans mon 370Z de compétition. Avant qu'on commence, Tony, fais-moi part de tes émotions face à qu'on ait fait un projet d'hiver en équivalent de deux semaines. Un mélange entre tu vois et tes fiertés. Fait qu'on recommence les chums, on met du coolant à Amzoy, on met de l'huile, on retourne sur le dyno, on retourne voir des pétions, finir ça, retuner. Pour retourner battre en espérant que ce coup-ci, les chums, ça torche et que ça marche en tabac. Parce que là, c'est pas juste dur, ça a coûté cher, c'est dur monétairement, mais aussi c'est dur sur le mental, là, parce que les gars sont tannés, on a ranché là-dessus tout l'hiver, puis quand on arrive au bout, ben, tout lâche encore, là. Depuis qu'on a commencé le dyno, là, il y a eu les lifters, il y a eu les bearings de clutch, on a eu les starters, les batteries, les brakes, Les turbos complets, man. Ça arrête pas tout le dyno. Fait que là, on est crissement tanneux. Le DMCC, c'est dans une semaine, les chums. Même que la vidéo, vous allez le voir, ça va probablement être la fin de semaine du DMCC. Mais, bref, on a hâte de rouler, tabarnak. Pour une fois, ça fait 5 ans qu'à toutes les années, on est dernière minute de même. Fait que ça nous inquiète pas d'être dernière minute parce qu'on est tout le temps dernière minute. Mais cette année, on voulait faire différent puis être prêt avant. Puis, on avait réussi, mais finalement, non. Fait qu'on est rendu chez Dépétion. Employé seulement, je suis tellement venu sur un site que c'est pareil. Salut, c'est encore moi. It's the time. Ta prédiction aujourd'hui? Tout. Tout est prédit. Tout. Tout au bout des injecteurs. On va pas mal être ça, le max qu'on va faire aujourd'hui. On va comparer ça, le setup twin, setup single. Les chums, on tune avec les turbos. Les bas, deux Garrett G-Series, des G35-900. Ça a l'air innocent. Au idle, tu vois l'air sortir de l'intercooler, là, ça veut souffler. Là. À 2000 tours dans un turbo, là, souffler, c'est juste malade. Hostie, j'ai hâte de voir ça à l'autre. C'est malade! Tester 650 well, 640 livres de torque, 641 HP, 639 livres de torque à 6 livres de boost. Ça veut en tabarnak.
D'où des impressions comparées à l'ancien setup. Shake the moon. Mets tes commentaires, Doom. Mais c'est même pas bon. T'es vraiment dépourvu? Alors, je ne sais pas. On faisait quoi avant? 7,70, 7,50 à 13 livres. Avec les injecteurs au max, on a fait 885 et 825 litres de torque. 885 à 14,5 litres, on a fait. Malade. 125 à. Est-ce que tu lag là-dessus? Ben, pas. Fait que les chums, c'est malade, ok? C'est cave, là, ça roule. On est au bout des injecteurs. 885 WHP, 850 livres de torque. Oh, oh. C'est malade. Je pensais que le calcul que j'avais était bon. On avait un peu moins que 1000 HP. Mais là, avec ça, on a vraiment 1050 HP, à peu près. En tout cas, on a passé les 1000 forces de moteur. C'est malade. Là, DP est en train de fignoler ça. On va se faire 3 maps. Une à 8,50, une à 7,50, puis une à 6,50. Pourquoi? Ben, si mouille, si fait chaud, si on veut juste aller faire des drift 2, si on veut donner, faire peur à quelqu'un, ou juste s'amuser. Bref, on va avoir l'option de. Mais, c'est juste. 100 dessins, comme Doom il dirait. C'est. Waouh! Du chauffable, il a fait une tabarnak de job, sérieux. Le moteur, il a jamais respiré de même. C'est. Sérieux, les terres vont rester en terre, là. Si on voudrait, on pourrait le faire en haut de ça, mais là. On a eu assez de bad luck cette année, chum. Fait que. On va garder ça de même. De même, tout va bien, tout est sacoche, tout est parfait. Fait qu'on laisse ça de même. On a juste hâte d'aller battre ça. On n'est pas là pour battre des records puis seulement faire des chiffres. On veut juste avoir une bonne machine fiable pour aller battre. Puis il va rester à brancher la transmission séquentielle. Faire fitter ça avec l'ordi pour avoir le no lift shift. Puis, le fine tuning, les chums, j'ai hâte en tabarnak d'aller essayer ça. Ça va être malade.
comment se trouve ça? C'est mental. Ça vaut-tu tout l'argent qu'on a mis sur cette ration-là, mine? L'argent, c'est mental, c'est... Wow. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les chums, je suis fucking content. Le char, il va crissement bien. Ça allume en tabarnak, sérieux, c'est fou, là. Genre, à 4000 tours, on a genre 650 livres de torque au roue, je pense. C'est juste... cave, sérieux, c'est malade, ok? C'est fou raide. Fait que nos trois tuyaux, 650, 750, 850. C'est une passe à 8,85 et à 8,25 de torque. Ce qui est à peu près 1050 HP de moteur. Il y avait 975 litres de torque. C'est... pour le prochain round, je vais piner mon trailer sur mon char de drift puis je vais m'en venir avec. Ça va être crissement en neuf. Mais non, c'est pas vrai. Mais... bref. Enjoy les chums. Dans la vidéo, là, je vais vous mettre des comparaisons avant, après, setup single, setup twin. Setup Twin, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le moteur respire, ça spool, c'est la réponse là-dessus, c'est instantané. Fait que stay tuned les chums, on se revoit la prochaine fois au DMCC. On va aller faire des tests avant, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut là. Bon, ça les chums, un petit bonus cette semaine. Vous allez directement sur le site web de Silver Wax, puis vous rentrez, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour votre char, puis vous rentrez mon code promo qui est le DRIFT10. Ça vous donne automatiquement 10% de rabais en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est les meilleurs produits pour vos chars. Dans pas long, je vous donne des trucs pour les marques de tailleurs, pour le nettoyage sur un char de course. Fait que, hésite pas mon chum, je te mets le lien, je te mets le site internet là, il va être dans la bio, pis oublie pas, DRIFT10 pour 10% de rabais. Fait que, enjoy les chums, profitez-en.